rien ne sera comme avant dans la haute sphère de gestion et d'aide à la presse béninoise. En effet, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication vient de se conformer à la mise en place du Fonds d'appui au développement des médias. Un fonds qui est mis en place avec l'avènement du Code de l'information et de la communication en République du Bénin. La mise en place du FADEM remonte à l'adoption de la loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l'information et de la communication en République du Bénin. En effet, c'est en son article 39 que la mise en place de ce fonds a été prévue. Il s'agit du fonds d'appui à la presse béninoise qui était géré directement par notre institution, la HAC, à travers une commission qui regroupait les représentants de notre institution, les représentants du gouvernement et ceux des associations professionnelles des médias. La loi ayant prévu qu'il faut mettre en place un comité qui est composé des mêmes, je peux dire, structures, mais qui aura son autonomie, présidé par un représentant de la HAC. Nous avons tenu à nous conformer aux dispositions de cette loi. À l'issue de cette étude, les conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication décident ce qui suit. Article 1. Par la loi numéro 2015-07 du 20 mars 2015, portant code de l'information et de la communication en République du Bénin, en son article 39, le fonds créé est dénommé Fonds d'appui au développement des médias FADEM. La gestion du dit fonds est assurée par un comité composé de deux structures que sont le comité de gestion et le secrétariat exécutif. Article 2. Le comité de gestion est l'organe de gestion du FADEM. Il est placé sous l'autorité de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et est composé de 5 membres, à savoir un représentant de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, un représentant du gouvernement et de 3 représentants des associations professionnelles des médias. Le comité de gestion, présidé par le représentant de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, est le président du bureau, composé de 3 membres, à savoir un président, représentant de la HAC, donc, un vice-président, représentant des associations professionnelles, et un rapporteur, représentant également des associations professionnelles. À rappeler qu'une seconde décision a déjà choisi les personnes devant siéger au FADEM et ces dernières seront officiellement installées ce jeudi 22 novembre 2018.